C'est une image d'archive, mais elle pourrait illustrer l'espoir que suscitent les propos de Bruno Le Maire. Mercredi, le ministre de l'économie a annoncé qu'une partie de la dette de certaines entreprises pourrait être annulée. Sur Twitter, Gilles Simeone a réagi favorablement. Le président du conseil exécutif estime que si le gouvernement en a la volonté politique, il sera aisé de trouver des points d'accord au bénéfice de l'économie corse. Bruno Le Maire affirme qu'il fera le maximum pour éviter les faillites avec des mesures au cas par cas, avec étalement ou annulation de dette. Les PGE, prêts garantis par l'État, doivent être remboursés dans les 4 ans. En Corse, 1 milliard de PGE ont été accordés alors que le PIB est de 10 milliards par an. Rembourser 10% du PIB en 4 ans est a priori une gageure. La crainte de faillite est forte. Les entreprises sont devant un mur de dette de plus d'un milliard, qui représente de 10 à 15% du PIB de la Corse. Il est vraisemblable que beaucoup d'entreprises de Corse ne pourront pas payer les dettes qui sont devant elles, et donc c'est les tribunaux de commerce qui vont reprendre une très forte activité. Pour l'heure, les données des tribunaux de commerce ne font pas état de faillite d'entreprises en lien avec la crise Covid en Corse, mais cela est dû aux aides. À moyen terme, cela pourrait se produire. Aujourd'hui, il y a une bienveillance des URSSAF qui n'assigne plus par rapport à ce report de charges, et donc il n'y a plus de sociétés, ou moins de sociétés, qui se retrouvent au tribunal de commerce. Par contre, quand l'URSSAF reprendra ses activités, entre guillemets, mais je pense qu'il va y avoir énormément d'entreprises qui vont se retrouver devant le tribunal de commerce. La Banque de France pourrait avoir un rôle moteur dans la mise en place des aménagements de dette. Problème, elle traite uniquement des entreprises réalisant 750 000 euros de chiffre d'affaires. Les patrons souhaitent un dispositif adapté à la petite taille des entreprises insulaires.